Donc la vidéo suivante sur les consonnes qui manquaient dans notre explication du berbère. Alors, il y a le « the », comme dans le mot anglais « the ». « The word »,« the word », »,« the ». Le « the », comme dans le mot « freirif ». En kabyle, on dit beaucoup de « the ». Le ts, le ch, le dj, c'est des sons africanisés comme vous le constatez. Le v, oui en berbère on a déjà on a un v. Le dz. C'est pas droit. Voilà. Et voilà. The, 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 ch, j, z, v, s, z, z. Ah ouais. On va répéter. The, s, f, v, f, z, ch, z, v, z, j, v, z. On va noter parce que sinon je vais pas m'en sortir. DH, TH anglais, s comme en xav par exemple. Chukchuka par exemple. Un mot qui commence par ch. Ça c'est. Je, ça c'est le V berbère, et enfin le Z, comme dans Zeta par exemple. Zeta. Voilà les consonnes africanisées, les dernières consonnes. Il existe cependant encore des compléments touareg. Vous comprenez pourquoi cet alphabet a cessé d'être utilisé. Il est aujourd'hui enseigné par l'éducation nationale marocaine pour noter le berbère standard. Maintenant, on va passer à l'enregistrement.